On y trouve plein d'objets curieux, incroyables, imprévisibles, un mystère pour ma très humble cervelle. C'est un monde unique, absolument fantastique, et cela va sans dire, impossible à décrire comme le plus improbable des rêves. Mais je ne puis me taire, ce serait égoïste. Je vous promets sur mon crâne que ce monde existe. Mais voyez plutôt. Ils appellent cette chose un présent. Et tout commence par une boîte. Une boîte ? En acier. Je proteste ! Est-ce qu'elle donne la peste ? La peste ? C'est bien, c'est funeste. Je vous en prie. Ce n'est qu'une boîte enveloppée de papier rouge. Et rehaussée d'une petite boucle. Une boucle ? Pourquoi ? Quelle horreur ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Justement, c'est là le but du jeu. C'est un chat ! On peut le voir. C'est un rat ! On peut le pencher. Je parie que c'est la tête que j'ai trouvée dans la... Je crois que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous expliquer ça. Et faites attention. Vous prenez une chaussette géante. Mettez-la comme ça sur le mur. Oh oui, avec un pied coupé. Mais voir ça, je vais regarder. Pied coupé couvert de saleté. Que je vous explique. La chaussette contient seulement des jouets. Et parfois des paquets de bonbons. Des bonbons ? Est-ce qu'ils mordent ? Est-ce qu'ils craquent ou explosent dans les sacs ? Est-ce qu'ils sont tortillés dans les cheveux des petites filles ? Quelle merveilleuse idée ! Adoptons cette fête ! On pourra s'éclater et perdre la tête ! Pas d'affolement, écoutez bien. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, je vais leur donner pour leur argent. Et voici, mes chers confrères, la surprise finale. L'empereur de cette ville heureuse est un terrible roi à la voix majestueuse. Oui, c'est du moins ce que j'ai pu comprendre. Et ce tyran intrépide serait un géant fabuleux avec un gros nez rouge et humide. Une reine l'entraîne au ciel quand les enfants dorment. Et il porte sa grotte dans ses bras énormes. C'est là tout ce qu'ils m'ont raconté. Ce terrifiant prince noir dans les brumes du soir s'envole d'un air bestial tel un vautour colossal. Ce perso règne est un monstre. Oui, au moins ils sont applaudis, même s'ils n'ont rien compris. Au prodigieux sortilège d'un bonhomme de neige, quel dommage.